Il est mort. C'était le dernier. Je dois rejoindre Jonah. Oh non, pas ça, non. Jonah. Lara. Je suis là. Lara. Faut que tu m'écoutes. Essaye de ne pas bouger. Si je m'en sors pas vivant. Ne dis pas ça. Attends, écoute. Il faut que t'arrêtes de t'en vouloir. On est tous responsables de nos choix. Il s'en sortira pas. Non, il peut pas mourir. Nous pouvons l'aider. Comment ? Nous devons l'emmener à l'observatoire, auprès de Jacob. Jacob est le seul à pouvoir sauver Jonah maintenant. On doit le ramener à l'observatoire. Jacob, il va mourir. Je vais m'occuper de lui. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il faut maintenir la pression. Préparez-le. Jacob, vous étiez mourant. Est-ce que c'est vous ? Dites-le-moi. Le prophète immortel. Je peux être blessé. Je ressens la douleur. Je suis humain. Sauf que je ne meurs pas. Et la source divine ? Je l'ai trouvée il y a fort longtemps. Elle existe. Et son pouvoir est prodigieux. Mais elle n'a rien de divin. Alors vous leur mentez ? Depuis des générations ? Je n'en suis pas fier. Mais c'était pour les protéger. J'ai déjà utilisé la source pour rendre mes soldats immortels.
mais c'était une terrible erreur. Les soldats que j'ai croisés aux archives. Lorsque l'ennemi a pris Kitej d'assaut, les immortels ont recouvert la cité avec la glace issue de la montagne. Des milliers de gens ont péri. Ils ont commis cette atrocité pour garder le pouvoir. Les Trinitaires en feront autant. Mais à bien plus grande échelle. Ça ne vous ressemble pas. L'homme que j'ai appris à connaître ne ferait jamais de mal aux siens. Ouvrez les yeux. Tout ce qui est arrivé est ma faute. Et ça doit s'arrêter une fois pour toutes. Père ! Il passe à l'action. Ils vont utiliser la force pour percer la glace. Il n'y a plus aucun espoir. Non. On va pas rester les bras croisés. Jacob, sur le plan, on voyait un passage secret qui mène à la cité. Le chemin des immortels. C'est bien trop dangereux. On n'a pas le temps de tergiverser. Vous savez que je peux pas baisser les bras. Si nous pouvions les ralentir, ça nous laisserait une petite chance. Je vais réunir les hommes et nous les attaquerons sur la glace. Pars sur le champ. Ouvre la marche. Quand vous serez prête, vous verrez que l'entrée est située en dessous de l'observatoire. Je ferai de mon mieux pour votre amie.